Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est un tag. Parce que Marlotte, alias Angel Love, m'a tagué. Je la remercie parce que ma prochaine vidéo a pris du retard. Mais dans le sens, voilà quoi. Mais je t'aime quand même. Donc oui, alors je m'excuse pour ma voix. Je suis malade, mais j'avais déjà tourné cette vidéo hier. Et en fait, quand j'ai vu ce que ça donnait, donc j'ai décidé de la retourner parce que j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas satisfaite de cette vidéo. Donc voilà. Et donc, j'ai oublié de dire le tag déjà. Je vais dire, on commence maintenant. Donc, c'est le tag, je regarde là parce que j'ai ma tablette. C'est le tag La vie secrète d'une youtubeuse. Et puis on va y aller, hein. Donc, depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Alors, ça fait super longtemps que je suis sur YouTube. Parce que, on va dire, entre guillemets, j'ai initié MC. Je sais pas. Ça fait pareil, quoi. Il n'y avait pas encore la HD. Je pense que ça avait tellement longtemps qu'il y avait la HD. Non, mais. Ouais, je sais pas exactement, peut-être 4-5 ans. Quand penses-tu arrêter YouTube? Alors, je pense arrêter YouTube quand je n'aurai plus le temps pour tourner. Ouais, quand j'ai vraiment plus le temps, je pense que ça va pas. Vous avez encore 3 ans, vous allez m'avoir encore 3 ans sur le dos. Alors ça va, c'est dès que je pense que je vais rentrer dans la vie active ou que j'aurai un travail, je pense que ça sera un peu plus compliqué. J'espère pas arrêter. Mais... la meilleure chose sur YouTube, et qu'on peut parler en étant soi-même, entre guillemets. Pendant moi, mes années scolaires étaient vraiment pas bien, J'ai jamais pu être vraiment qui j'étais. Et YouTube et l'université au passage ont fait, que je deviens moi, entre guillemets. Enfin, celle que j'ai envie d'être, du moins. Et c'est ça qui est bien avec YouTube. Les personnes que tu peux rencontrer sur YouTube aussi, et tu te rends compte, en fait, c'est à peu près toutes les mêmes histoires, tu peux pas vraiment t'exprimer, donc voilà, ou alors d'autres gens veulent aider d'autres personnes. Enfin, c'est que c'est quelque chose de super. Il y a une grande variété de personnes, des variétés de styles différents, des variétés de vidéos. Après, quand tu fais des belles vidéos ou des trucs du genre, t'as des abonnés et ceux-là sont super chou, sont super gentils. Enfin, moi je peux pas vraiment dire parce qu'il y a pas vraiment de gens qui me parlent de mon abonné. Mais ce que j'en sais. C'est ça en fait, je crois que YouTube apporte que de l'amour. Oh, c'est du partage en fait. 4. La pire chose sur YouTube. La pire chose sur YouTube, je veux dire, c'est les gens qui sont pas du tout ouverts d'esprit, qui te mettent des commentaires négatifs, voire haineux. Enfin, je dis ça, mais j'en ai jamais eu, mais j'ai lu, j'en ai lu certains. Et je trouve ça débile, enfin, t'aimes pas, tu regardes pas, tout simplement. Et puis même, enfin, moi j'ai toujours dit ça, même avant de commencer les vidéos, si tu n'aimes pas une vidéo, tu la regardes pas, tu mets pas de commentaires méchants et tu mets pas de j'aime pas, enfin, si t'aimes pas, tu regardes pas, c'est tout, tout simplement. Mais bon, il y en a, ils ont pas encore compris ça. 5. Oui, que fais-tu pour y remédier? Alors, j'en ai jamais eu. Mais je sais que si j'ai des commentaires comme ça, dans le début, ça, tu fais « Oh merde !» Mais je pense qu'après, j'ignore. Tu peux que faire ça en fait, tu peux qu'ignorer. Ou alors tu peux supprimer, le signaler, ou répondre, genre MC à répondre de manière un peu « Je joue dans ton jeu, quoi. » Mais ouais, moi j'ignorerais, c'est ce que je fais dans la vraie vie, alors
enfin pareil sur YouTube, hein, Junior. Six. Combien de photos de miniatures prends-tu? J'ai l'impression de réciter un poème. Enfin, un poème. J'en ai pris qu'une. Enfin, j'en ai pris deux parce que j'avais fait la vidéo hier. J'en avais pris une. Et là, j'en ai repris une pour celle-là parce que vraiment, les têtes sont très différentes. J'étais toute pâle, toute à moitié jaunâtre. Enfin, voilà quoi. 7. Qui est ton crush sur YouTube? Alors, mon crush. Mes crushs, parce que pas avoir. Je regardais dans mes. Non, qui je suis. Alors, je peux déjà dire Poisson Fécond, alias Chris. Léo Grassier dans Dirty Biology. Dont j'ai connu grâce à Nota Bene, une chaîne d'histoire. Seb, dites-moi. Je vais faire dans l'ordre, tu vois. Wartek. Enfin, je vais en passer. Tatchet Joe, le frère Zoéla. Asiatomique. Lyrian Jolie, je trouve trop mignon. Puis Pipella. Enfin, j'en ai d'autres aussi, mais bon, je ne vais pas faire toute la liste de tout. Parce que j'en suis plein, alors. Voilà. En fait, j'ai ça, genre, allez, vas-y. Non mais en fait, ils ont tous une partie du cal... toute une part. Ils ont tous une particularité que j'aime bien, donc faut tous les coller ensemble et ça fait l'imparfait. Avec qui aimerais-tu faire une collaboration? Alors déjà, j'aimerais faire une collaboration déjà. C'est quelque chose qui m'intéresserait de rencontrer d'autres youtubeurs. Ou youtubeuse, hein, je dis en général. Mais avec qui? J'en sais rien en fait. Avec qui me proposer de faire une collaboration? Mais en personne un peu beaucoup connue sur YouTube, je dirais Marie dans Joy Phoenix. Dans Joy Phoenix, oui. Sandrea. Emma 04044, j'y crois. Mais autrement, ouais, je suis ouverte à toute proposition de collaboration. Et au fait, je veux dire que tous les youtubeurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, je les mettrai en barre d'infos, même si vous les connaissez tous. Mais quand même, au cas où. Que parti en bas? Vous verrez dans 3, 2, 1. J'espère que vous n'allez pas vous moquer de moi. Au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Alors j'appuie sur play dès que je suis prête avec mon blabla, un truc, ma tablette et tout machin. Et que penses-tu de la communauté YouTube? Alors la communauté YouTube est un endroit, enfin, est quelque chose de super car tu peux partager tout sans penser, enfin, sans réfléchir à ce que les gens penseront. Ouais, voilà, c'est un endroit de partage, d'amour, de rencontre, convivialité. C'est vraiment la communauté la plus agréable de faire partie. Donc, franchement, toutes les personnes qui en font partie sont juste super. Je les connais pas toutes, hein, bien sûr, mais ils sont. C'est YouTube, quoi. Secret d'une chaîne YouTube à succès. Un succès. Quand je le trouverai, je vous le dirai. Non, je sais pas vraiment. Peut-être faire quelque chose d'original. En restant toi-même. Et voilà. Je sais pas, peut-être qu'ils ont plus de chance que d'autres. Je sais pas. Non, mais franchement, il n'y a pas vraiment de chaîne à succès. C'est juste qu'il y en a qui ont réussi à se connaître, à se faire connaître plus que d'autres et tout. Non, franchement, je sais pas. Restez vous-même, puis vous verrez. Et donc, qui je tagle dans qui je tag dans cette vidéo? Alors, je tag Pierre alias Coupeur de Doigts. Je suis prêt de l'avoir. Et c'est un youtubeur à YouTube.
je tiens à dire que cette personne peut faire de magnifiques vidéos. Elle a peur de faire de vidéos. Je sais pas pourquoi. Enfin, peut-être comme moi au début. Mais je suis sûre qu'elle fera des super vidéos. Elle a un talent fou, entre guillemets. Ce serait plus, elle se tournerait plus vers des vidéos beauté, je pense. Mais franchement, je sais qu'elle va y arriver. Donc, j'espère que ce tag va te permettre de te lancer. Donc, je te tag toi, Camille. Et j'espère que tu le feras. Et puis, même si tu le fais sans te mettre en ligne, tu pourras me l'envoyer. Et donc, ce tag est terminé. Et, c'était fun. Hein. Voilà. Quoi dire de plus? Non, j'ai rien. Donc j'espère que cela vous a plu. Ma prochaine vidéo est avec une invitée très spéciale pour moi. Personne n'a connu, hein, mais voilà. Et j'espère que cette vidéo et la prochaine vidéo va vous plaire. Et je vous fais des maxi bisous et je vous dis ciao.